Buenas noches. Non, putain, je suis en... Buenos dias, Barcelona. J'étais le premier à me réveiller. Là, on va cacher un peu. Eh, je vous laisse la surprise, hein, parce que c'est une dinguerie si jamais. Et la vue, mon gars, t'as intérêt à te sortir les doigts du cul, mon gars. Parce que je me suis réveillé. Je tourne là, t'es que ça. J'ai bougé pas. Je dormais en mode cercueil, cousin. Eh, mais gros, tu sais que moi, j'arrive même pas à ouvrir les yeux dehors. Mais gros, c'est quoi alors? Gros, c'est un four ou quoi? What? Mec, c'est incroyable. Mais gros, comment c'est immense. Je vous ai dit ou pas, les gars? Ouah, comment? Mais gros, c'est abusé. Eh, hey, il fait pas de tarpon de chaud. En vrai, ça va, je pensais que ça allait faire plus chaud. Moi, ça va, je suis humble là. L'équipe, bébé. Oh, par contre, je suis choqué comment les monuments ils sont prêts. En fait, là, genre, nous on la voit, genre, comme ça, vraiment. Même là-bas, on voit l'hôtel. Il y a l'hôtel au bord de la plage là. Ah, gros, comment je suis heureux là? 10h17, mec, c'est clairement l'heure parfaite pour se lever. Le truc qui a pas bougé, les gars, c'est le supermarché. Toujours ouvert, la porte elle est toujours. Je crois que je vais m'habiller quand même parce que j'ai pas resté en slip tout le temps là. Tu veux quoi, piscine ou quoi? Tu veux la piscine? Mais je suis trop chaud, hein. Bah vas-y, on va direct à la piscine. Oh là 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 là. Buenas noches. Non, on n'est pas buenas dias. La vue de la journée, c'est tellement beau. D'accord ou pas? Après il casse les couilles. Mais gros, je viens de me lever. Après tu vas. Oh mais ça va, 2 minutes. C'était bien drôle une fois. À la marine, à la Madrid. Bon, faut que j'aille un peu dehors parce que j'ai pas assez profité, mec. Putain, c'est trop beau. Wesh. Wesh. On a laissé des canettes. Putain. Eh hey, gros, la Sagrada Familia, elle est juste ici. Sagrada Familia, les gars. Juste là. Derrière là, où il y a Messi, je crois, il habite. J'en sais rien, je dis que de la merde. Elle est trop froide. Elle est froide et en plus il y a du vent en haut. La piscine, elle m'a mis au pec alors que c'est 1m70. Et regardez la vue qu'on a. Waouh, énorme. Et gros, loin, comment elle est caillassée froide, frère. Moi je suis sorti, hein. Mais gros, on va tomber malade. On s'est dit pourquoi se faire yesh à aller en haut si on a un balcon, quoi. Plein soleil, plein cagnard. On est en plein cagnard, hein, je te le dis. Come on, guys. Bon, je vais poser la caméra sinon elle va fondre. Donc bon, je vais profiter. Au revoir. Il est 13h et là on va direction place de la Catalunya. En gros, on va au centre, quoi. Voilà, on va essayer de prendre le métro. On va essayer de comprendre. J'ai jamais pris de métro encore de ma vie, donc on va voir ce que ça donne. C'est ça qui va être marrant, c'est qu'on a jamais. Enfin, moi j'ai pris quand j'étais à Paris, mais c'est pas. Ouais, moi aussi, mais ça fait tellement longtemps que j'avais. Avec des gens qui savaient le prendre. Ouais, voilà, moi aussi. C'est bien lugubre. Wesh, moi, faut pas se faire raquette ici. Hein. Wesh, comment c'est brosson. Wesh, ça fait flipper carrément. Gracias Dios là, hein, putain. Ouais, ça tue son père, t'es mal les architectures. Petite fontaine de Jovence. J'adore. Wesh, y'a des manifestations. Ça va tout changer à l'Espagne. Mais c'est Cuba. Ouais, je m'en bats les... C'est Cuba, cousin. Allez, Cuba, allez. Nous aussi, on va aller à Cuba. Nous aussi, on va aller à Cuba. Qu'est-ce qu'il me raconte la suite? Il y a Dior, Chanel. Ce qui est pas pour nous, en fait. Tout ce qui est pas pour nous, ils sont là, quoi, comme par hasard. En vrai, il y a moyen que ce soit ici, la Casa de Papel. Bon, je sais qu'ils ont pas tourné dans la vraie banque. Mais en tout cas, on est sur la banque d'Espagne qui a été braquée par la Casa de Papel. Putain, il y a tellement de monde. Bon, c'est un truc de fou, par contre. Donc là, on est à la Rambla. Mais gros, il y a aucun magasin que je connais, là. Malgré qu'on aime pas le Barça, on est quand même obligé d'y aller. Wow, mec, c'est une dinguerie. Cette architecture de bâtard. En vrai, je pense que si je prendrais un maillot du Barça, ce serait avec un petit patch. Je sais même pas c'est qui, je t'avoue. Par contre, c'est vraiment stylé, ils ont fait la forme du stade en lampe. Ça, c'est vraiment stylé. Oh, les maillots t'as les poches. Ah ouais, il est vraiment stylé. Hein. Par contre, les balles à l'ancienne, essaye de faire quelques fous. C'est comme des balles de voleur. On vient, on monte, hein. On va voir en haut ce qu'il y a. Essaye de faire quelques jambes. Il y a la sécu. Faut tester les balles, faut tester les balles. La sécu, on a baisé. Olé, muchas gracias amigo. Olé. Tu as baptisé le magazine. L'architecture, c'est n'importe quoi. Ton objectif, c'est de toutes les balles que tu vois, t'es obligé de taper des jambes. À tout moment, il y a un détecteur du Barça, il chope des nouvelles carrières. Le vendeur, c'est le président du Barça. Chef, toi, demain, tu pars en Asie avec nous. Par contre, gros, je suis dépité, frère. J'ai vraiment une coupe de merde. La vidéo, j'aurai une coupe de merde. Désolé. Bon, du coup, on se balade, hein. On va essayer de trouver un truc après pour manger. Mais pour l'instant, on essaie de regarder les magasins. Voilà, on visite, quoi, je sais pas. Toi, tu vas marcher, mais tu vas regarder que là. Pourquoi?
D'accord. Parce que là-bas, il y a un truc que tu m'as cassé les couilles depuis le début du voyage. Et y a quoi? Rien. Et y a quoi? Et gros, je comprends rien ce qu'il me raconte. Mais bref. Ce truc, il m'a hanté pendant. Oh, il y a Dentin de net. Putain, c'est trop stylé. La vie de ma mère. On arrive à la mer. Ouais, c'est trop un resto au bord de la plage. Sans se faire carotte, ce serait pas mal. On s'est calé dans un restaurant, il fait tellement chaud. Pavé de moutons. Genre, bah, tu vas griller du mouton. On a commandé des tapas, du filet. On a tout commandé quoi. On a commandé la vie. Mais bref, on s'est fait accoster. Putain, on s'est fait accoster par 10 mecs qui voulaient nous vendre de la beuh. La croix frite. Il saute de ma gueule là. Attends, mais moi je crois que je suis encore plus dégoûté parce que moi j'ai même pas de frites. J'ai un vieux truc de légumes. Non, la cuenta, por favor. Allez, allez. Ciao, mon en espagnol, c'est fait. Bon repas terminado. Voilà, c'était pas le meilleur repas de ma vie, mais ça va. Pour se remplir le ventre, ça c'est sympa. Ça. Ouais, voilà, mais bon, 70 balles, c'est quand même un peu de l'abus. On a vu un mec qui s'appelait Ahmed. Il nous a dit, viens, pécho des trottinettes. On va voir, je vais essayer de négocier avec lui. Il nous a dit 50 balles si on avait à négocier. On est les pires négociateurs. Oh, d'accord. Bon, regardez ce qu'on a appris. On a pris ça là. Oh le casque. On la dégaine, t'as mal. Mais mec, il est tout tordu le casque. Je suis dépité, frère. Le casque, le les casque, amis, les casques. Gros, on a une dégaine là, c'est sûr, y'a aucune meuf qui va. Ouais, gros, c'est trop de la balle. C'est impossible de filmer en conduisant, ça va trop vite. Bon, les gars, on va essayer d'aller au télo, grave connu. Eh, mets-toi torse nu là, tu vas voir, ils vont tous parler chinois. Regarde-moi cette beauté, hôtel. Non, mais gros, c'est vraiment un putain de dream. Je suis tellement content, ouais. Y'a des mecs qui font un ramas des tractions. On va montrer c'est qui le boss de la ville. C'est le moment. Toutes ces années de muscu. Allez mon poulet. Il est bon hein, il est bon. T'es KO déjà. Pa. Wesh. T'as pas le niveau. Oh là là, il est trop chaud le mec. Pa. C'est bon, tonton, on y va. Il arrive l'euro. Eh, petite pause. La plage elle est vers là-bas. Où là-bas? Elle est là-bas. Où? Elle est vers là-bas, je crois. Ah, j'ai plus de force. Je suis à bout. Ah là, espagnol ou pas, on les flingue ici. Putain, j'ai déjà plus de ce fort. Là, on est à la Venice Beach de Barcelone. Oh, il fait chaud son père. Regardez-moi ce port. Il y a Zarma, un bateau pirate là-bas. On est en train de bombarder. Dites-vous qu'on était là-bas au fond. Il y a 5 minutes. Non, on fait pas 10 minutes. On a fait tout. Un bon petit building. Quand on se balade quoi, franchement on essaie de s'aventurer. Puis on verra ce que ça donne quoi. Ici c'est le quartier Anastas. Ouais, c'est Saint-Jacques. C'est la chienne hein. On a fait une petite pause dans une bonne petite ruelle typique. Il y a un bon petit restaurant juste là. On s'est pris une petite canette histoire de se rafraîchir, hydrater, il faisait trop. J'avais trop soif. Les plis en une minute la taille. Mais ça fait plaisir d'être vraiment dans. Je sens le vrai Espagne tu vois. Hier soir on a découvert la street. Toute la journée là on a vu un peu genre touristique. Et maintenant on a vu genre un peu le vrai Espagne quoi. On s'est jeté dans la gueule du loup. Il y a des keufs partout. Non, toujours. Une heure et demie. Toujours. Une heure et demie. Mais gros, t'es, je crois on peut faire tout Barcelone, gros. Mec, on passe par tellement de ruelles et tout. C'est une dinguerie monumentale. Si vous avez un truc à faire, c'est faire la trottinette. Prenez 2 heures, ça suffit large. J'ai une petite Axel. Que cette vitesse. Oh non, il est dans le DAX, ce collègue. J'ai envie qu'un petit skater nous fasse un petit tricks. Voilà. Il a réussi, le collègue. Bon, vas-y, on fait quoi? Bah, on y va, frère. Arrête de branler, là. From Marseille, with love. Oh là là, Marseille, bébé. La vie de ma mère, je crois qu'elle est malheureuse. Celui-là. Regarde ton œil. Toi, tu me dis ça que maintenant, ça fait 10 ans que tu vois ma gueule. Mais j'ai pas vu avant. Mais toi, tout droit. Ouais, comme ça. Mais ça, j'avais déjà hein, quand je suis venu. Ah ouais, c'est quoi? Ouais, mais c'est genre un orgelet. Eh, oh. Hey, gros, t'es mec. Non, non. Eh, hey, mais ma caméra, fils de pute, enculé, va. Nique t'es mort un peu. Nique t'es mort. On est allé rendre les trottinettes, gros. Je suis en PLS. Là, on est au ralenti. Ouais, je suis au ralenti, gros. Je suis fatigué de fou. Ça m'a fatigué encore. Oh, je suis explosé. Là, il est 17h. Là, on va rentrer. Faut regarder ici. C'est où El Clos Arago? San Martí, c'est vers là. Mais non, c'est ça. Ah, El Clos Arago, là. T'es là? Ouais, mais putain, comment on va arriver là? Putain, je comprends rien. Oh là mec, là. Il y a même pas de ligne hein, qui passe par ici. Ah, il y a la rouge. La rouge, c'est quoi la rouge? Ah, oui, c'est la rouge. Oh là là, comment c'est loin. Ah, ouais, là. Ah, ouais. Ah bon, on est arrivé, on est sorti de Clot. Faites gaffe parce que les noms des fois c'est pas les mêmes au métro. On a failli sortir à Crot, mais c'est bon, on arrive à. Ah, tu commences à me faner les couilles.
Bon, on va aller à l'hôtel. Eh, hey, les PGA, tu vas les laisser tranquille. Et en plus, ils ont fait les lits. Oui, bébé. Oui, bébé. Gros, toi, tu sais plus guider. Gros, t'es trop fort, man. Mais t'es trop fort, man. Je sais, man. Mais check ça, man. Oh, putain, gueule, Max. Je suis pas chaud, là. Là, je me gros. Mais bébé, elle. Regardez, voilà, mais. Bah, dites-vous, on était là-bas avant. On était juste en face de ça, là, voilà, les deux tons, là. Ah, le chien. Ah putain, je suis en pleurs, frère. Oh non, c'est compil, frère. C'est compil, je suis chaud. Ah non, c'est compil, c'est trop, frère. Hola a todos. Estoy el patrón del cartel. La puta de madre, cabrón. Tu as quoi, Pelo? Putain, mais ça me casse les couilles. C'est bon, frère, c'est bon. Tu veux voir mes couilles? Elles sont là. Mais non. Ok, I like the vibe, man. Reach on desire. Je sais pas si j'y suis. Ça a beaucoup marché ou pas? Bah, je sais pas en fait, tu veux faire quoi? Parce que moi on va manger, mais après. Moi non plus. Je sais pas. Mais on savait pas. C'est un bon. Regardez comment je suis sapé aujourd'hui. Vraiment en mode beau gosse. Il est 20h30, on va aller grailler en ville. Et on. Ça fait au carnaval. Oh les gars, on est arrivé dans un resto. Le dehors il était stylé, mais l'intérieur il fait un peu flipper en vrai. On a pris des ribs. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un truc anglais en mode pub. Faire un petit tour du propriétaire. Non, mais regarde, arrête de me sortir, de me mettre en gros. Il veut plan. Centrale citron. Bon, on attend la commande là. Ouais. Mais du coup, on fait quoi après? Bon, tu sais que là j'ai tellement de plans, il sert à rien dans mon truc. Je sais pas comment faire quoi. Est-ce que je les mets au marché? Je m'invente sur le bon coin. Bon, je crois que ça ramène la graille. Oh, gracias. Putain, il m'a ramené le plat, frère. En mode mange, mais ferme ta gueule. Putain, regardez. Rien ne va plus dans la villa. Il s'est barré. Je suis tout seul. Il s'est barré aux toilettes les gars. Il est plus là donc moi je vais manger, frère. Rien à foutre de ta vie cousin. Comment c'est chaud son père. Wouah mais gros c'est la vie de ma mère que c'est trop chaud, frère. Gros j'ai dit pas piquant, il m'a ramené un truc piquant. Mais je vais l'enculer la suite. Regardez-moi cette viande. C'est parfum bon. Je vais goûter la viande. Ah ouais elle a un goût de fumée. Mec les patatas fritas comment sont bonnes. C'est toujours on n'oublie pas la meilleure sauce du monde. Et pardon. Wow. Je suis un amoureux. Le casque les amis, le casque. En fait je suis amoureux de la gente féminine. J'adore la et j'adore la bouffe quoi. Pour la bouffe j'y crois moyen parce que chaque repas, oh tu peux m'enlever la sauce, tu peux m'enlever la salade. Non, t'aimes pas la bouffe. Oh oui, yes. On l'a capturé. Comment manger charismatiquement un nugget? C'est trop chaud. Oh, attends, je suis pas.